commence très tôt, assez tôt, à faire différentes langues, mais d'une manière vivante. Avec des chants, avec la poésie, ils ont créé une ouverture au monde plus respectueux avec les différentes cultures. Ce qui nous tient à cœur dans cette pédagogie, c'est le lien avec la réalité. Chez les tout-petits, ça va être le lien avec la nature, les saisons. Et puis plus on va grandir dans les classes, on va trouver le lien avec le monde du travail. Et au final, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est à la fin des citoyens qui soient en harmonie les uns avec les autres, respectueux et surtout épanouis. Particularité de Décol Steiner, c'est de croire en chaque enfant et de tisser un lien de confiance avec l'enfant pour lui permettre de trouver sa voie, de se sentir écouté, entouré et de développer son individualité et son épanouissement. Ces clés-là de l'art, du manuel, de partir du concret, de l'expérience avant d'asséner la théorie, de dire appliquer tout simplement, c'est très important dans la pédagogie. On essaie vraiment de leur faire expérimenter, comprendre par eux-mêmes et après, ensemble, on voit la théorie. La dimension esthétique, de beauté, d'expressivité en tout cas, est fondamentale de la pédagogie puisqu'on cherche à ce que l'individu se trouve, s'exprime et arrive à comprendre ses compétences, ses capacités, là où il va pouvoir donner le meilleur de lui-même. Ce que j'aime dans le bois, c'est que on peut faire plein de choses différentes avec juste du bois. Et je trouve que c'est pas du tout pour les garçons et la couture pas du tout pour les filles. Nos écoles s'inscrivent dans une continuité du jardin d'enfants jusqu'aux grandes classes et où les élèves pourront passer le baccalauréat sans souci et avoir de bons résultats. Ici dans notre école, nous venons juste de terminer un projet très enthousiasmant de collège. Que nous sommes fiers d'avoir éco-construit avec les parents en matériaux écologiques. Et donc nous serons contents d'accueillir de nouveaux élèves. T'es juste contente parce que t'as plein de monde qui t'aime.